Moi, j'ai pas vu le feu déjà. Ouais. Quand je suis arrivé, elle était là, elle se tenait debout là au quatrième étage. Elle se tenait debout. Elle était face au vide. Mmh. Elle savait pas trop quoi faire. Et il y a des gens qui sont montés pour casser la porte entre temps. Il y a des gens qui sont montés pour casser sa porte. Et ils ont cassé la porte, mais trop tard, elle a sauté. Et il y avait moi qui a demandé à des gens de se rapprocher pour qu'on la rattrape au vol. On soit assez nombreux, comme elle fait 90 kilos. Mais en fin de compte, on est resté à 4. Il y avait lui, moi et les deux autres qui ont été transportés, les deux blessés à l'hôpital. Bon, elle a évité le pire. Normalement, elle était brûlée à taper la barrière. Mais comme avec lui, avec ses amis, on a essayé de l'amortir. Et elle a tapé sur un de ses amis à lui en même temps en tombant. Mais ça allait trop vite, je te raconte, parce qu'il y avait un flash au moment où j'étais choqué. Et quand elle est tombée, les deux autres outils sont retrouvés par terre aussi. Avait du feu, j'ai éteint le feu sur elle, j'ai enlevé je veux craquer ses habits, j'ai éteint le feu. Et de là, voilà, après, ils ont appelé les secours, tout ça. Ouais, mais elle arrive au sol, ça va, je crois. Ouais, c'est amorti quand même. Tu sais, elle était en feu aussi. Ouais, j'ai enlevé ses habits, je lui ai éteint. J'ai éteint le feu. Il prend l'argent de la main.